retour. Alors, vous entendez ce son derrière. Peut-être, on va jouer à Gauntlet pour finir le live. On va faire un petit peu de Gauntlet. On va faire un petit peu de Gauntlet. Ça fait un petit peu genre, on va faire un petit peu de côtelette. Mais non. Alors, vous avez vu ce jeu hier, peut-être, sur mon live. On va y jouer encore un petit peu parce que c'était chouette quand même. On a bien rigolé. Bon, on y va. Donc, on va jouer en normal, comme d'habitude. On va jouer... qu'est-ce qu'on va jouer? On va tenter le guerrier, tiens. On n'a pas tenté le guerrier hier. Donc, lançons la partie. Est-ce qu'on peut monter un petit peu le son, cher ami? Le son de ça, là. De ces conneries. Formidable. Alors, on y va. Donc, on a quoi? On a une sorte de charge avec le guerrier, d'accord. Sorte de charge, sorte de tourbillon, etc. Donc vous allez voir quel genre de jeu c'est. J'ai pas mis le nom du jeu, bon c'est pas grave. Le jeu c'est Gauntlet. Face au pouvoir des morts. Pouvoir des morts. Un tombeau maudit rempli d'anciens guerriers à affronter. L'idéal pour écrire ma légende. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas de public. Alors, allons-y, donc on récolte des boulets. On va voir ce que vaut le guerrier. Évidemment, pardon. Ce qui est pas mal, c'est que... Alors, pas ce qui est pas mal, ce qui est dommage, j'allais dire, c'est qu'on n'a pas... On avait commencé à farmer assez pour avoir une relique avec l'archère. Mais je l'ai pas rejoué, donc du coup, fromage. Alors, le guerrier, bon, c'est une classe corps à corps, donc va falloir voir si on prend pas trop de dégâts quand même, si c'est pas trop vite le bordel. Je trouve qu'on a vraiment une bonne sensation de puissance avec ce personnage. Je regrette un petit peu juste qu'on puisse pas zoomer. Je pense qu'il serait cool qu'on puisse zoomer pour avoir une meilleure lecture du jeu. Tiens! Ok, la charge renverse en knockback. Alors je vous rappelle que pendant le tourbillon, on est complètement invulnérable, hein, le jeu nous l'avait dit. Là, on va avoir le spawner qui va apparaître en haut à droite. On commence un petit peu à connaître le donjon du jeu. Pas l'archère, la Valkyrie. Ah ouais, c'était la Valkyrie? Ok. Tiens! Voilà. Allez hop. Alors le problème, c'est qu'il va falloir essayer de toujours regarder dans la bonne direction, enfin taper dans la bonne direction, afin de pas se faire niquer. Oh là là, merde. Quoi? Et voilà, ça va être ça le principal problème du guerrier en fait. J'ai peur que ce soit un petit peu trop chaud par certains moments. En tout cas, ouais, c'est méga chaud. C'est méga chaud, c'est bien ce que je pensais. Putain, pourquoi le truc explose pas là? Il y a de la bouffe là-bas, je crois. Non, il n'y a pas de bouffe là-bas, très bien. Ok, j'en ai tué pas mal. Voilà, explose. Très bien. Hop, explose. Très bien. Le guerrier doit être vraiment pas mal, mais avec une petite cover ou un truc comme ça. Je sais pas si le sorcier a des sorts de soins. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, eh bien, c'est formidable. Alors, tac. Tu as oublié d'écrire côtelette en haut à gauche. C'est vrai. C'est vrai que j'ai oublié d'écrire côtelette en haut à gauche. Alors, il nous faut 3000 or. 3000 d'or, 3000 pièces d'or afin... C'est ça. Un festin de roi. La ferme. Bien, on saute. Wouh. Alors j'oublie pas mal de coffres, de caisses et tout. Oh bah d'accord. Je pouvais même pas attaquer quoi. Je pouvais même pas attaquer en arrivant. Mon bout de père. Enfin, je m'étais tourné. Voilà. Meurs. Pas de spawner. Non, arrête. Ah, ça les a quand même fait spawn. Dommage. Voilà, on se retourne. Donc Gauntlet est un jeu payant sur Steam. Ça s'écrit comme un gant en anglais, d'accord? Donc Gauntlet. Je pas que tu es insensible quand tu tourbilloles. Oui, je sais. Je m'en sers. Oh tiens! Ah oui, là ça a fait un sacré carnage quand même. Série d'élimination, x2,30. Fantastique, 690. Tiens. Fuyez! On attend que le B se recharge. Tiens! Tiens. Ah, il va exploser. C'est bon. C'est le moment d'applaudir. On va garder la bouffe sur le côté, histoire de... Alors là, vous avez vu la gestion de la hauteur là par exemple? Ça se voyait assez bien. Ça rebondissait sur l'escalier. Alors ne pas rester dans les pics. Le spawner là-bas. Voilà, meurt. On se retourne.
Ok. Faut que tu te meurs. Merde, merde, non, 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 non. Quand vous commencez à prendre une attaque, ça peut très vite snowball dans le mauvais sens. Donc faites attention. Voilà, là on a un truc ici, très bien. Ouah, ouah, ouah. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Pas de bouffe encore, là, dommage. Oui. Meurs. Voilà, très bien, meurs. On continue. Bah, ça explose, ça a enchaîné sur le baril. Tiens, tiens, tiens. J'avance un petit peu en même temps, histoire que l'autre zombie... Ah oui, je tourne autour. Ah, ça s'est OP, ça. Ah, je suis un peu le faker du côtelette, j'ai envie de dire. Faker de la côtelette. Non, ça va le faire. Donc voilà, on est bien. Alors, on peut monter, aller chercher un petit peu d'or là-dessus. Voilà, pas grand-chose, 6 pièces d'or. Mais il n'y a pas de petit profit. C'est quoi comme type de jeu Zerator? Bah, je sais pas trop le définir. C'est une sorte de hack and slash, mais... hack and slash roguelike, je dirais, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, je dirais ça, à peu près. 30 euros les 4. D'accord, 30 euros les 4. Pour Gauntlet, très bien. Alors, allons-y. Oh, merde. L'explosion du mob. Voilà, ça a bien défoncé en plus le machin. Voilà, 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 voilà. Meurs. Allez, il y a un spawner en moins. Il fait apparaître des trucs, c'est chiant. Non. Meurs. Voilà. Allez, full DPS. Moldot. Tiens. Meurs. Voilà. On attend que ça spawn, parce que ça va respawn, j'imagine. Non. Est-ce qu'on peut laisser appuyer B? Non, on peut pas. Ok, j'ai fait 0 de dégâts. Je fais 0 de dégâts avec le tourbillon ici. Donc vendredi, on essaiera d'en faire en coop avec les gens d'Eclipsia qui l'ont 1 acheté, 2 qui veulent y jouer. Donc si ça se trouve, ce sera. Ça voudra dire personne. Mais on essaiera. On verra bien. Il y a quoi? Il y a une roulade. Alors le Y, ça fait une sorte de méga frappe de la mort. Pour les boss, ça peut être pas mal. Regardez, ça fait ça. Faudrait voir si sur le spawner, ça fait pas plus de dégâts. D'accord, oui, donc effectivement. Ouais, j'ai pris deux coups quand même, hein, pour ça. Ok, je suis bien nul là par contre. Hop, allons chercher la bouffe. Allons chercher la bouffe, allons chercher la bouffe, allons chercher la bouffe. Hop là. Tiens. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Hop. Hop. Tiens, 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 tiens. 10 coups d'affilée. Tiens. Non. Ah, j'ai pas eu le temps de m'écarter. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Je sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il fait spawner des trucs. Merde. Allez, B là. Oh, ça a pas mal. Oh, ça m'a cancel mon... Oh là là. Oh, ça m'a tellement niqué parce que du coup, j'étais pas insensible. Du coup, j'ai pris l'auto-attaque. Tiens. Je détruis. Très bien. Pas de la bouffe là. Ok, là je suis pas bien. Là je suis pas bien du tout parce qu'il va me falloir de la régène. Il me faudrait un mob qui explose ou un truc comme ça. Là je suis vraiment pas bien là. Wouah. Là. D'accord. D'accord, faut que je fasse gaffe à ce que je fais. Allez, Y. 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 Voilà. Donc c'est une auto-attaque, enfin c'est une attaque mono-cible, le Y, qui fait pas mal de dégâts. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, pas mal. Pas mal, j'ai réussi à faire un bon truc. J'ai sauté et j'ai fait un petit tourbillon. Et donc là, regardez. Y. 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 B. Y. Non, pas du tout. Tiens. Pas mal. C'est ça, viens là. Nice. Alors. Hop là. Et oui, on est insensible pendant le tourbillon, donc vous pouvez. Ouah. Zut. Tiens. Pas de bouffe, il faut de la bouffe. C'est quand même vachement plus dur à jouer que tout le reste des classes, je trouve. Après, bon, je me sers pas du tout de toutes les attaques, puisque je me sers pas du tout de la charge et tout genre de trucs. Et je me sers pas du tout de ça, par exemple. Ah bah d'accord, super. J'ai chargé, je suis mort. En même temps, j'étais pas mort une seule fois, c'est vrai, j'avais 4 vies. Allez, allons-y. On enchaîne. Revoilà le guerrier, on me dit. Voilà.
La musique du jeu est épique. Non mais la musique est pas mal hein. La musique est pas mal moi je trouve. Même l'ambiance du jeu est cool je trouve. Une couronne. Ah super elle est dans la... Oh là là j'ai tellement pas de luck. Tellement infâme. Quand j'étais en mode je vais la mettre sur la gauche. En fait la couronne est tombée dans le truc pour finir le niveau. Du coup... Bon du coup plus de spawner, ça c'est sûr. Elle est où la couronne exactement? Ok elle a disparu, génial. Bon. Niveau terminé. Niveau terminé. Alors. Niveau actuel débloqué. Détruire 500 éléments de décor, 179. Ah il s'appelle Thor le guerrier. D'accord. Alors du coup les hauts faits sont pas partagés. Ils sont en fonction de toutes les classes. Et ils sont pas liés sauf les trucs détruire des éléments de décor. Quoique je sais pas. On va voir. Cet endroit me retourne l'estomac. J'ai besoin de tuer quelque chose. Très bien. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il est encore trop tôt. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ah oui. Donc la mort. J'avais un peu oublié ce truc là. Alors, donc la mort, hein, principe de la mort, elle vous touche, elle vous one shot, vous êtes mort à plus en LAN. Donc voilà, c'est terminé, fin du game. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc c'est plutôt intéressant, mais plutôt difficile. Ah oui, donc là ça va être très très dur. Alors là, je crains que ce soit le moment le plus dur du jeu, cet endroit là où je suis actuellement. J'essaie de faire se regrouper les mobs histoire de faire un bon truc d'un coup. Enfin, genre ça. Parce que eux, s'ils vous touchent. Il vous déboîte. Donc là on va attendre que la mort soit passée. En plus ah ouais putain on a les spectres, ça va être tellement chaud. Ça va être tellement chaud. Allez la mort file dans ta chambre, voilà. Tiens, tous en même temps bourré. Pas du tout. Ces monstres ne font pas le poids. Pas du tout. Voilà. Voilà. Bon je pensais que ce serait plus dur. J'avoue je pensais que ce serait plus dur. Bon c'est pas fini quand même. C'est pas fini, la mort est à mes trousses. Au revoir. Au revoir. Allez on double les portes. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir à la fin, je jette un petit cadavre, un petit reste de cadavre. Tiens, tiens. Tiens. Et la couronne, encore une fois. Très mal placée, mais je pense que je peux l'avoir. Ouais je l'ai eu. Un trésor pour Thor. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Thor, c'est quand même merdique comme nom de guerrier. Ouah. Cours. Waouh! La mort a failli me tuer. C'est bon là elle va. Voilà, elle va s'en aller. J'ai à peu près le timing dans la tête maintenant de la durée pendant laquelle la mort vous poursuit. Donc là si je trouve une clé, bah j'ai trouvé une clé. On peut ouvrir ça. Voilà. Une salle avec de l'or. De la régène, une autre clé. J'ai encore droit à 3 morts. Ce qui est quand même pas mal. En tout cas une classe très nerveuse, beaucoup plus que les autres. Faker. Faker avec un point. Le mec a écrit Faker, point. Voilà. Je tourne un petit peu pour regrouper les mobs aussi. Les spectres, on les chasse, sinon ça vous défonce. Donc là, on n'est pas dans une pièce très agréable si la mort arrive, genre maintenant. Parce que, en fait, la mort traverse les murs, elle knocker total des obstacles. Enfin, dans la mesure du possible. Waouh, 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 waouh. Très bien. Ah, on peut pas parce que tous les mobs sont pas morts, d'accord. Très bien. Voilà. Meurs. Meurs. La porte s'en balance. Si c'est bon. La porte fonctionne. Alors c'est bien parce qu'on a, comme je disais hein, hier, on n'a pas de spawner dans cette partie-là du niveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas de trucs qui font apparaître les monstres. Et ça reste quand même beaucoup plus facile. Allons-y. 1314 gold. On n'a pas énormément. En plus, je préfère le tuer maintenant. Comme ça, c'est fait. Voilà le spectre. Voilà le. Ah! Meurs! Merde! Tiens, tiens, prends ça dans la gueule! Voilà. Voilà. Hop là! De l'or! C'est bon, la mort va dépop. Voilà. La mort va dépop. Avec les golds dans le jeu, tu peux faire quoi? Alors on achète des objets en fait, genre des bottes, des armures, des casques et tout, qui vont booster votre personnage avec, enfin, de manière temporaire. Ça s'appelle des reliques. Vous verrez, je vous montre ça après. Je vous montre ça juste après. Vous verrez. Et ça booste pas mal votre personnage pendant un petit court laps de temps. Allez, la mort des pop maintenant. Des pop! Des pop! Voilà.
Là j'ai évité l'attaque puisque j'ai réussi à faire B pendant qu'elle m'attaquait. Du coup c'était plutôt intéressant. Voilà. Tiens. Ouah. C'est bon, j'ai pas pris de dégâts. Ah, attention, la mort est derrière. La mort est derrière. Bon, on est bientôt à la fin là. Putain, je sais pas où on en est là. Je sais pas où on en est, c'est du labyrinthe de la muerte. La mort vient de dépop. Ah ok, en fait ils font pop des mobs qui explosent eux. Je viens de capter. Ouais, il est mort. Ok. Alors la première relique coûte 3000 gold hein. Donc si vous, si vous sortez pas de la, du premier truc avec 3000 gold, sachant qu'à n'importe quel moment on peut revenir dans la salle centrale. Bon, ça annulera votre progression, mais si par exemple vous êtes à 3000 direct et que vous avez peur de perdre des gold en mourant, eh bien vous pouvez y aller. Allons-y. Voilà. C'est bien fait toutes ces salles avec plein de trésors là. Vous êtes en mode oh mon dieu, des milliers de trésors. Où est la mort? Elle doit être derrière. Voilà, j'ai 3000 boules. Attention Faker, vous êtes prêts? Attention Faker. Oh wow. Outplayed. Totalement outplayed la mort. Complètement deg. Elle qui a, elle-même qui a fait ce labyrinthe hein, donc un peu con quand même. Enfin, j'ai traversé la... Oh no. Alors, on n'a pas moyen de se protéger avec le guerrier. Le guerrier, il a juste double hache, il est juste trop fort, il s'en balance de se protéger des coups. Il a juste l'immortalité. Oh, ça craint ça. Il a juste l'immortalité, j'allais dire, donc, quand il tourbillonne. Alors, il faudrait que la mort dépop. Ici, on a une couronne. Il me faut un dépop de la mort, là. Oui, là, voilà, maintenant, parfait. Voilà. Alors, la couronne vous donne un bonus de gold. Et franchement, j'ai jamais été aussi riche dans ce jeu, quoi. Je crois. 3800 gold, on va arriver à 4000 bientôt. Vraiment pas mal du tout. On détruit les éléments de décor. Il y a quoi ici? Il y a rien du tout. Tac, il y a de la bouffe là derrière. La bouffe, j'en ai pas trop besoin. Bravo! 52! Pas ce qu'il y a écrit. Pourquoi il y a écrit ça? Allons-y, c'est bon, il a invoqué un explosif. Bonjour! Tiens, prends ça! Voilà, on se sert des mobs pour... Waouh! Oh non, c'est abusé! C'est abusé, bordel! Elle a pop et elle m'a OS à l'endroit où j'étais. C'est abusé, c'est abusé. La clé, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé, la clé. La couronne. Non, c'est abusé, là. Il y a eu clairement de l'abus. Clairement un abus. Bon. Alors. Ouvre! Non, ça ouvre pas, d'accord. Ah d'accord! Génial! Le knockback de l'infini. Alors, meurs. On y va, là ça devrait ouvrir, ça devrait ouvrir, ça devrait ouvrir, ça ouvre. Parfait, ça ouvre, c'est nickel. Voilà. Voilà. Hop là. Oh wow wow wow. Merde, bon c'est pas grave, il y a de la bouffe juste à côté. Ah. Il reste un mec au fond. Ramassons les trésors. Voilà les trésors. Ah, on est sur la fin. Je crois que j'avais jamais fini encore ce labyrinthe. Qu'est-ce que tu veux? Et voilà. C'est parce qu'il tourne, il tourne, il tourne et d'un coup, bam, meurt. Niveau terminé. Si je l'avais déjà fini une fois en fait. Allez, on continue. Enfin, on continue, oui et non. Je pense qu'on va, on va se quitter là en fait. La Valkyrie utilise son coup de lance pour transpercer les monstres faibles en les tuant instantanément. Toujours en vie. Crypte du Roi Soleil. Allons-y. Bon, on a un petit peu de temps pour... pour finir ce labyrinthe, après ce sera à Skyheart. Allons-y, allons-y, allons-y. Bam, je mange. On récupère encore des gold. Je me demande quoi, jusqu'où on... Ah oui, après si vrai, c'est Max et Julien Tyril lui-même qui répondent à des questions. Si vous avez des questions pour Julien Tyril, par exemple, quand est-ce qu'il compte rendre l'argent, ce genre de conneries quoi, eh bien ce sera juste après. Wow! Trop de potions, oui je sais, je sais. Je sais que j'ai trop de potions, c'est normal, je peux pas encore les utiliser. Alors, faut savoir que les potions bleues que je ramasse ne sont pas des potions de mana, de santé ou quoi que ce soit. C'est pour en fait utiliser vos pouvoirs une fois que vous avez des items. Alors là, par contre, je suis un peu déçu parce que c'est le retour des spawners. Tiens, tiens. Ils ne font pas le poids. Ils ne font pas le poids. Ah, ok, on va rester dans cette salle. Oh, intéressant. Tiens, 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 je perds. Tiens, et tiens. Voilà. Hop la couronne.
On va aller à l'autre spawner. Hop là. Alors lui il va exploser, il va faire pas mal de dégâts, donc on a le temps. Waouh. Non, c'est bon, c'est vrai que j'avais oublié que ça passait pas à travers. Tiens. Waouh. C'est bon, ça a fait péter le spawner ici. On s'est bien débrouillé. Tiens. Ah, ça va enchaîner les explosions. Nice, nickel. Et voilà, double explo. Oh non. Ah, je suis mal placé, je voulais passer entre les deux. Ça n'a pas fonctionné. Bon, on va tuer les chamans ici là. Il est grand temps de fracasser cette pierre d'invocation. Oh là là, il y a des gros mobs. Oh là, j'avais pas vu. Putain, j'avais pas vu. Très impressionnant, guerrier. Oui, parce qu'en fait, il y a des spectateurs, c'est ce que je vous expliquais hier. Et voilà. Alors, on est en difficulté normale, hein. Pas facile, pas difficile, juste normal. Yeah! Et voilà, on a réussi à franchir la fin du premier niveau. Et donc on va pouvoir avoir accès au niveau 2, ce que je vous expliquais hier, ce qu'on se demandait. Par contre, j'ai plus de gold, c'est ça que je comprends pas trop. Enfin là, je suis en train de ramasser masse, mais j'étais à 0 gold alors que... Enfin bref, on va voir. Je sais pas trop pourquoi. 1500, 1600, 1600... Tiens! Donc là, il n'y a rien, on peut pas passer, on est d'accord. On est d'accord! On est d'accord, c'est parti ici. Donc on a 9452 gold, vous voyez c'est écrit là, en tout, c'est pour tous les niveaux en fait. Chapitre terminé. Et voilà, nous on a des scores et des vitesses, vous voyez il y a les scores tout là-bas. J'ai mis 20 minutes en tout à faire le run en entier. Et voilà, plutôt pas mal. Donc 20 minutes un petit run, on saura qu'un run de gauntlet c'est à peu près 20 minutes. Mais peut-être que ce sera... Peut-être qu'avec la Valkyrie ou quoi que ce soit, ce sera plus rapide ou plus lent. Donc je vous montre un petit peu vite fait avant qu'on se quitte les items. Donc vous avez plein de trucs, vous avez des bottes, vous voyez. Augmente grandement votre vitesse de déplacement et d'attaque. Rend l'utilisateur immatériel, les ennemis que vous touchez dans cet état subissent des dégâts. Donc pour traverser les mobs, c'est une sorte de ghost pendant lequel vous êtes impossible à toucher. Gèle tous les ennemis autour de l'utilisateur. Crée un cristal de chaos, sachant qu'on peut en utiliser que deux. Donc il faut voir. Il faut voir. La traînée de flammes. Le monstre n'attaque pas les héros pendant la durée de l'effet. Invoque une gargouille démoniaque qui combat pour vous. Donc vous avez plein de trucs comme ça. Les monstres n'attaquent pas les héros pendant la durée de l'effet. Ça, ce serait pas mal. Guérit légèrement tous les héros pendant 2 secondes. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc ça, c'est une sorte de heal. J'achète. Et si on veut acheter le rang suivant, c'est 16 000. Là, il me reste 3 000. Je peux acheter un autre truc. Augmente grandement votre vitesse de déplacement et d'attaque. Ça, c'est pas mal quand on est corps à corps. Rend la personne immatérielle. Donc on va l'équiper. Équipons celui-là aussi. Donc là on a les deux reliques. Ça va me rendre encore voilà. Plus fort. Et donc maintenant vous voyez, si je rentre dans un tableau, donc la deuxième aventure par exemple, eh bien. La légion t'attend. Si on je ramasse une potion bleue. Champion des morts, venez m'affronter. Malade. Donc si je ramasse une des potions bleues qu'on voit à droite là, eh bien vous allez voir que ça va pouvoir activer l'un des deux pouvoirs. En sachant que on n'a pas le temps des deux pouvoirs, mais c'est. On n'a pas le, je veux dire, le temps que ça dure. Mais ça dure une dizaine de secondes, je pense, quelque chose comme ça. Je sais pas exactement combien, mais. Guerrier décharné, votre temps est révolu. Ah, attendez. Au nouveau champion. Bonjour. Hop là. Au revoir. Waouh. La Faker. J'aimerais juste ramasser une potion bleue afin de vous montrer mes pouvoirs et ensuite nous quitterons parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Hop. On a des squelettes en tout cas. Ah, nous y voici. Regardez, une potion bleue. Donc là, vous voyez, j'ai à côté de ma compétence principale, j'ai RB, LB qui s'est affiché. Donc LB, ça pourrait être transpercer les autres. Ouais, vous voyez, pendant un court temps, je transperce les monstres. Donc ça pourrait être pas mal pour s'échapper d'une situation. C'est vraiment même assez OP hein. Mais bon, les pouvoirs sont OP parce que justement on peut pas trop les faire tout le temps normalement. Vous voyez ce que je veux dire. On peut pas, enfin vu que c'est limité avec les potions. Mais du coup, quand vous avez vos premières reliques et que vous recommencez le premier run, etc. Eh bien ça devient beaucoup plus facile. Quand vous avez vos équipements de malade et que vous pouvez tracer comme un porc en one-shotant les mobs en ayant vos capacités spéciales, bah du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Comme dans tous les roguelikes en fait, c'est en ça que je dis qu'il est un petit peu roguelike et pas seulement hack and slash. C'est à dire que vous pouvez après revenir avec vos compétences dans les premiers niveaux
soit farmer des golds plus facilement, etc. Enfin, faut voir comment vous préférez appeler ça. Alors, vas-y, invoque un truc, voilà. Voilà, wouhou! Hop là, meurs! Tiens! Ah, j'ai pris un coup quand même. J'ai pris un coup. Il y a une grille, on y va. Le level design est vraiment pas mal. Bon, la musique s'arrête d'un coup parce que forcément j'ai fini le truc. Barrez-vous! Assez peu de potions bleues hein, finalement dans ce truc. Là, il y a une clé, ok, qui s'ouvrira tout à l'heure. Ah, c'est un spawner. Oula! Ils ont une vitesse d'attaque plus rapide. Un spawner de guerrier squelette. Première nouvelle. Oula, lui il a une fucking armure. Un gros squelette. On a des spawners différents. Ah, ça met un archer squelette en plus, d'accord. Donc ça va être un peu chiant parce que du coup, vu que c'est des guerriers qui attaquent à distance. Oui, bon, ça va, j'arrive. Allez, courage! Allez, courage! Allez, courage! Meurs! Voilà, vous voyez, j'ai pris une auto-attaque derrière. Ah, ça devrait s'ouvrir ici. Voilà. Bon bah écoutez, nous y voici. Alors j'aurais juste voulu ramasser une autre potion bleue pour vous montrer l'autre pouvoir, mais je n'en trouve pas. Donc tant pis, au pire on va se quitter. Alors, j'enchaîne. Une autre potion bleue. Ah, il y en a une autre là-bas. Voilà, donc on va pouvoir y aller. On va pouvoir vous montrer ça. Putain la vache. Donc je vous avais montré comment se rendre immatériel. Là on a donc l'autre truc qui nous rend insensible pendant qu'on frappe. C'est-à-dire que là, on est insensible tant qu'on fait de la musique. Vous voyez, ça dure pas très longtemps. Là, c'est déjà fini. Donc c'est vraiment des trucs qui durent pas longtemps, mais qui vous boostent tellement que... Bah après, faut voir qu'en groupe, quand vous êtes en coop, vous en avez plusieurs. Donc ça peut être vraiment un truc. Si vous utilisez vos pouvoirs un par un, etc., vous avez toujours un mec OP dans une phase de combat un petit peu difficile. Après, je sais pas s'il y a plus de potions bleues en coop, j'imagine que non, et ça doit être un petit peu difficile, c'est-à-dire que vous devez partager les potions. Ça doit être assez chaud. Bref, en tout cas, voilà pour Gauntlet, on y jouera de toute façon en coop vendredi, peut-être avec les gens qui l'ont de chez Eclipsia. Je sais pas qui va l'acheter, qui va le prendre, ou si on trouvera des clés ou des trucs comme ça, mais en tout cas, on y jouera en coop vendredi, ça risque d'être plutôt stylé. Moi, je pense que ça va aller. Donc, il y a 4 classes, hein. On a le guerrier, le mage, l'archer et le. Guerrier, mage, archer et la valkyrie, qui est une sorte d'Amazon, mais au corps à corps. Donc, voilà. Bon, là, on a 452 gold, donc forcément, on peut rien faire. Et à part ça, on ne peut rien acheter. Alors, après, il y a ça. Il y a ça, mais pour les débloquer, en fait, on doit débloquer les portes. C'est-à-dire débloquer, vous voyez, tous ces trucs. Là, je suis en normal. En bas, il y a le facile, je crois. À droite, il y a le difficile. Donc, c'est comme ça. Voilà! Pour Gauntlet, un jeu plutôt cool. Moi, je m'attendais pas à un jeu comme ça. J'espère que ça vous a plu. Et tout de suite, vous allez retrouver Julien et Max qui vont vous parler de choses diverses et variées. Merci à tous. Passez une bonne émission. Et à tout à l'heure pour la Rocket Team Tard.